L'école des Saphirs a ouvert ses portes en avril 2008 dans le but de lutter contre l'exploitation des enfants dans les mines des pierres précieuses de la zone. Chaque année, l'école donne accès à l'éducation à plus de 200 enfants du village et des environs d'Antsoamadirou, au sud de Madagascar. L'école des Saphirs est un centre d'éducation primaire avec un internat pour 50 filles de 8 à 14 ans, originaires des familles défavorisées. Pour lutter contre la malnutrition, les élèves mangent à la cantine de l'école à midi. Du fait que l'école est située dans une province de terre aride et que le village ne possède aucun forage, les élèves ont difficilement accès à l'eau potable. Il existe uniquement un petit ruisseau, mais comme il n'y a presque pas de pluie, il est souvent à sec.